Toutes ces armes, elles sont allocées. Okay. C'est nul. Mission principale. On a une mission secondaire. Et une mission secondaire ici. Niveau 31. Niveau 34. On va faire celle-là d'abord. 3 dieux en colère. D'accord. Apparemment, les yokai sont hors de contrôle dans les ruines entre les montagnes. Je sais que les ruines hébergent à l'origine 3 objets célestes, chacun consacré à un dieu différent. Normalement, un endroit consacré aux dieux reste éternellement pur. Quelque chose de particulier a dû se passer. Si nous attendons que des villageois soient blessés, il sera trop tard. Puis-je vous demander de vous charger du problème? Oui. Pas de problème, ma grande, on se charge du problème. On va tout défoncer. J'aurais peut-être dû faire l'histoire principale d'abord pour avoir plus de yokai dans la zone, enfin de Korugu, là. Comme ça, on a un meilleur bonus pour plus farmer d'âmes pendant les missions secondaires, non? Je sais pas. Ah, c'est encore la zone avec la semi-grotte et la semi-nature? Oui, c'est ça. Alors, j'ai le double katana à farmer maintenant. Du coup, on l'équipe. Putain, c'est tellement lent de switcher d'armes, ça m'énerve. Dommage qu'il n'y a pas de dégâts de quelque chose. Réduction de quelque chose, ok, augmentation. Des dégâts. Attaque. Consécutive. D'accord. Super intéressant. Alors, est-ce qu'on a un level à prendre? Est-ce qu'on a des Korugu à gagner? Une bénédiction, les gars. 10%. Oui. C'est déjà ça. On va changer de dieu. On va jouer avec. Raikiri, il est nouveau. Oh, les deux chiens, ils sont mignons. Montée de niveau. Deux niveaux en cœur. Ouais, ils ont du stuff à farmer, mais ça me saoule. Je vais attendre d'avancer un peu plus loin pour commencer à refarmer du stuff. Parce qu'il me faut un nouveau set, hein, sinon ça sert à rien. J'ai pris trop de temps alors que j'aurais pu tirer 10 000 fois. Blah. Vous faites chier, monsieur. Comment on fait pour toucher la tête avec, avec les doubles katanas? On peut pas, en fait. Comment je touche la tête avec les doubles katanas? Faut que je trouve une attaque assez haute. Peut-être justement l'attaque haute. Hop. Ouais, peut-être comme ça. Comme ça, ça touche pas. Ouais, comme ça, on va essayer comme ça. Compliqué, hein. Ah, je fais trop peu de dégâts là. Bon, en même temps, faut que je monte la familiarité de l'arme. Ah putain, mais c'est vrai que c'est les pots qui font du poison à la Dark Souls. Oh, c'est chiant. On voit tellement rien, quoi. Alors la musique. On va remettre les musiques. Les musiques craquées. Oh! Mais putain, j'esquive là!
Jeu de chiasse. De passer à travers leur coup, mais des fois ça passe pas. Hein. Ouais, il a combien d'étoiles? Il est 4. Pourtant, il est niveau 34. Pourquoi? En plus, il a du stuff pourri. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il serait aussi cheaté. Alors, faut que je loot quoi dans cette mission déjà? 3 dieux en colère. Est-ce qu'on fait des yokai faisant des ravages dans les ruines? Ah, d'accord. Faut juste que je les tue quoi. Ouais, il est nouveau lui. C'est un des objectifs. What the fuck? Non, je connais la zone. C'est par là la sortie. Non, c'est par là. Ouais, c'est par là l'eau d'où il vient. Alors laissez-moi tranquille avec vos merdes là. J'aime pas ça. J'aime pas quand c'est le bordel. On me fait pas tomber dans des trous moi. Barrez-vous. Barrez-vous. Il était là. Alors on va refaire ça tranquille. Voilà. Il est où l'autre? Putain, leur trou là. Genre d'arnaque que j'aime pas moi. Et putain, je backdash. Alors là. Tu vas le payer. Tu sais quoi en vérité toi? Hop, voilà. Le caillou fait toujours le taf, je sais pas pourquoi je me prends la tête. Le caillou fait le taf, on te dit. Utilise le caillou. Ah, est-ce qu'il repop les deux esprits de feu? On dirait que non. Dommage, ça aurait fait un buff de feu gratuit. Ouais, maintenant tu peux pop. Ah, les esprits de feu. Comme on parlait. Alors, il fait quoi comme attaque? Ok. Bien. Est-ce que les KO ça marche sur lui? Je n'irai pas. Hein. Quand il arrête de bouger, peut-être. Ah, ok, faut qu'il juste qu'il fonce sur un mur. Voilà. Ok, s'il fonce sur un mur, le mec il est guaqué. Très bien. Lance de capitaine, ça c'est cool. Hop. What? Là ça en fait un sur les trois j'imagine. C'est quand même un des gros trucs à tuer. Il y avait un loot du coup. Non, il y avait rien du tout d'ailleurs. Alors, on va aller dans les mines du coup. D'abord. Dans les mines. En premier. Parce que on voit mieux.
Très bien, je suis venu par là. Non, je suis venu par là. Or, par ici. Est-ce qu'on peut l'avoir avec le bouton? Non. Le bouton est trop en l'air. Très bien. Lui, il a le dos gratuit, on se rappelle. Mais what? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi le problème de ces mobs là? Cool, j'ai du bonus d'eau sur mes katanas. Katana! Mais il est sorti d'où? Alors ça c'est le feu qui te tombe dessus. Très bien. Oh, j'ai plus de bonus d'eau. Salut. Ido. Même attends, je connais un truc stylé. C'est ça. Oh Dieu, oh Dieu. Par contre, faut attendre. Hein. Nickel. Ok. Pour l'instant ça se fait. Du loot, des têtes bleues. Voilà, on commence à être habitué là. À la suite du jeu. Alors avance un peu. Comme ça tu deviens gratuit. Voilà, merci. Hop. Hop. Non! Je préférais tomber dans le trou que me faire avoir bêtement. Ok, ça c'est demi-tour. Où c'est par là? Putain, le piège quoi. Pour moi, il y a eu le réflexe d'esquiver. C'est par là. Alors, tu me laisses looter, merci. Ok, il a ouvert une route? Non, même pas. On est d'accord, il a rien pété. Non, non, on venait de là. Putain, mais je viens d'où? Ah, je viens d'ici, c'est vrai. Ah, mais ça, c'est la salle de départ. Ça, c'est la sortie. J'ai commencé cette route-là. Du coup, ouais, c'est la même route ici. Ok. Ok, ok, ok. On a fait le tour. Il n'y avait pas de boss à tuer. Ici, il y a des mecs qui vont se réveiller. Voilà. Décale-toi un peu, s'il te plaît. Cool. Lol. Mais lol! J'ai mis la garde. Ok, je suis mort. Ah non, c'est bon. Oh, les petites erreurs qui servent à rien. Alors, est-ce qu'il y a un mob ici? Oui. Il a tué des mecs. Oh, lui, il a des katanas violets. Après, maintenant, j'en ai aussi, donc franchement, je m'en fous. J'étais en train de péter les trucs qui vont faire des jets de feu et tout sur les côtés. Que je suis intelligent. Voilà. Ah, lui il aime pas le feu.
Il y a un truc qui me dit pourquoi pas le combattre dans la salle de départ ici. Ah, mais pourquoi il me suit pas? Ils sont pas motivés des fois les mecs. Hein. Heureusement que je marche vite en à reculons. Je suis mort. Ah non. Je pensais pas qu'il allait avancer autant. My bad. Ok, après il fait un rush. Bla. Putain, mais il attaque vite avec sa langue de merde là. C'est bon, il est gratuit normalement. Voilà. Ouh. Sa langue quoi. On va essayer de faire un combo. Ah, est-ce que c'est passé? Oui. Trop stylé. Ah, il en reste un de gros là à tuer. Il doit être en haut au lieu d'être dans les ruines. Et du coup, il y avait quoi de... Attends, ça c'est le début. Il y avait quoi ici à droite du coup? Du petit loot, c'est ça? Ah non, c'est un chemin qu'on a aussi fait, d'accord. On se barre. Pour récupérer un heal. De toute façon, maintenant on va monter tout droit. On passe par là, on se fait pas avoir pour le boulet de pierre. Bla. Ok, il y a des cailloux. Il y a du loot là, oui. Non, lui, je sais pas pourquoi je me prends la tête. Un petit caillou dans la tête et puis ce sera bon. Attends. Juste qu'il bouge pas. Voilà. Ouais. Non, je le tue pas en one shot avec ça. Un peu déçu.
Bla. Waouh. Bla. Je suis en feu. Voilà. Faut dasher pour que le feu y parte. Pour moi, ce jeu est intelligent. C'est par où qu'on me casse les couilles là? J'ai vu le mec à la hache à droite, hein, mais j'ai l'impression qu'un mec jette des cailloux. Bah allez, lui c'est parce qu'il a un casque, je parie. Vu qu'il fait du sens quoi. Pour une fois que je me suis dit il va pas faire sa troisième attaque, il l'a fait quoi. Ouais, il pouvait savoir. Comment il pouvait savoir? Ça doit être là hein, qu'il est en vrai. Moi je pensais qu'il serait dans la grande maison au milieu. Là où il y a le pont, non? Ah d'accord. Il y a un mur avec des yeux, on va essayer de lui parler. J'ai essayé de garder, j'ai pas réussi, ça casse les couilles. Bref. Mais. C'est la zone de début. Ok. C'était chiant, mais bon. Ah, il a les yeux de quelle couleur? Orange, ok. Oh non! Cool. C'est par là, j'imagine. Ouais, Kodama! Même ici? C'est pas des missions secondaires ici? Bon. Ça doit être la zone du boss. Ah non. Il vient lui. Je suis en mode perplexe celui-là, mais. What? Pour une fois, je vais toucher la tête, j'ai rien compris. À chaque fois que je fais ça, ça marche pas. Bon, d'accord. Et en fait, ça m'a fait tomber où? Ouais, mais ça sert à rien. Le boss était là-haut, putain. Ok, useless as fuck. C'est chiant. Bon, moi, j'ai pas été empoisonné. Ok putain. Mais pourquoi elle est revenue? Ils ont des stocks de cailloux à l'infini ou quoi? Ah non, c'est pas la même route. My bad.
C'est normal qu'elle y soit. Mais c'était où alors? Ah, je suis perdu. C'est là? Oui. Bon, je trouvais le Korugu. Très bien, on va aller sur le toit voir s'il y a des trucs intéressants. À part tomber dans la salle du dessous. Meilleur, totalement débile. Alors bien, il sautait sur les... Oh, un Korugu. Salut petit, rentre à la maison. Ok, cool. Nickel. Et quel jeu pourri. Peut-être faire ça depuis tantôt, ça marche pas. Ok, nickel. Je vais mourir contre un larbin, hein. Mais je suis mort. Je suis mort, alors que... D'accord. J'appuie sur la touche, mais ça part pas. Hein. C'est vraiment moi. Soit ma touche R1 est buggée, soit c'est le R1, mais genre j'appuie sur R1. Maintenant. Tac. 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 Ouais, il y a un délai, c'est pas possible. Ou alors c'est vraiment ma manette, je m'en rends pas compte. C'est vrai que j'essaie avec une autre manette. Mais si le jeu a ce délai, c'est très chiant. Franchement, c'est des morts qui me gênent pas vu qu'elles sont débiles. Alors salut les gars. Là. Hop là. Et voilà. C'est tout? Ah bah ouais, il y avait trois mobs.
et 3 démons à tuer, c'est tout. C'est joli ça, c'est quoi? C'est joli. Bref. Mission finie. Ouais, on voit la suite. Trois yokai, vous dites? Je me demande si les yokai ont été attirés par le pouvoir divin ou si ce sont les dieux eux-mêmes qui se sont changés en yokai. Cela restera un mystère, mais une chose est sûre, vous les avez vaincus. Vous avez toute ma gratitude. Alors, j'ai loot quoi? Esprit protecteur Isonade, esprit protecteur Daibawashi. Ah, mais j'ai gagné des esprits carrément! Mèche de jeune ninja. Kozan est en fer supérieur. Kozan est en fer supérieur? D'accord. Vous avez reçu le titre suivant. Réceptacle d'esprit gardien. Cool. Je suis un réceptacle. Titre. Alors faut qu'on utilise ces trucs au final. Hein. Les points. Un jour. Alors il reste quoi à faire? Une mission secondaire. Et une mission principale. Pour la mission principale, on montra les trucs. Là, on va faire la mission secondaire ici. Le Magatama de feu. Cela est niveau 3. Niveau 38. On commence à monter. Hein. Niveau 34, d'accord. Personnalisation des compétences. On va démanteler des trucs. Rare ou inférieur. Niveau 35, mais bon, ils sont pas violets, ils sont jaunes quoi. Dommage qu'on peut pas comparer. Franchement, on va aller dans tous les objets. Et on va faire rare ou inférieur. Ça me paraît bon. Hein. Lance de capitaine, on peut la loquer en tant que lance et jeter les autres lances d'ailleurs. Odachi, on est toujours pas mieux. Forge, outil. Ça sert à quoi ça d'ailleurs? Un matériau utilisé par le forgeron dans leur travail. Très bien, c'est pour fort. C'est un matériel. C'est un matériau quoi. C'est un matériau, c'est un matériau. Bonsoir, docteur Traplan. Bonsoir. On va juste continuer. Hein, mission secondaire. Ici. Alors, le Magatama de feu. Je veux forger des armes plus puissantes, mais j'ai besoin pour cela d'un feu plus vif. Ce mage Onmyo que vous connaissez m'a dit qu'il existe une sorte de flamme yokai dans les mines d'argent d'Iwami. Pourriez-vous vous y rendre et me rapporter la source de leur feu? D'accord. On est parti. Iwami Ginzan est la plus grande mine d'argent de tout le Japon. Son minerai de haute qualité se vend et s'exporte très cher. Cependant, ses richesses en font la cible principale des autres daimyo. Et la position de son entrée, de sa sortie et de ses salles intérieures est gardée secrète. Au cours du temps, le clan Myori a redoublé d'efforts pour creuser plus profond dans la montagne. Tu en penses quoi de ce jeu? Il est pas mal, hein? Ouais, il est vraiment cool. En fait, ce qui est cool en jeu, c'est qu'il est fun, en fait. Le seul problème, c'est comme dans Zelda. Tu vas me dire si tu le compares à Zelda, lol. Mais c'est comme Zelda, il n'y a pas de musique stylée. Du coup, tu mets des musiques toi-même au bout d'un moment parce que sinon tu te fais chier. Mais le jeu est vraiment fun. Découper les zombards et tout, c'est vraiment cool. Et toutes les armes surtout qu'il propose, c'est vraiment chouette.
Alors, on va me prendre un petit niveau. On va monter 15 en cœur. Ah, ouais. Bientôt 15 en cœur. Comme ça, on augmente les dégâts du katana. Il faut que je monte la familiarité de l'Uchigatana, d'accord. On va jouer à l'Uchigatana, du coup. Par là, c'est bloqué. Oui, ok. En fait, on est déjà au niveau 2 de la zone. Ok, d'accord. Très bien. Là, c'est bloqué, normalement, ouais. Lol. Moi, je vais pas tomber comme un glandu. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Yo, Madgin. On va voir ce qui se passe par ici. Nice, merci du follow, Dr. Traplan. Super sympa. Super sympa, ça aide beaucoup. Allez, on va descendre par là. Normalement, on va se prendre du poison. Blah. Active le truc. Vite. Bah, j'étais empoisonné. Bon, tant pis. On se désempoisonne et on va aller détruire les trucs de poison qui sont là-bas. Ah non, elles ont changé de position. Elles sont où? Ah, il y en a une ici déjà. Bla. Putain, je vais mourir quoi. Allez vous faire mettre. Voilà. Il y en a une autre normalement. Oui, elle est là. On la voit. Arrête de faire la merde. Ouais, nickel. C'est déjà mieux. On va se taper ce type. Bla. Ma garde. Voilà. Bon, on peut l'exécuter au sol aussi. C'est bon. Si tu fais New End of Fate 2, tu vas encore gueuler contre la lenteur du jeu. Ouais, je sais. Mais ce jeu est fun, alors je peux pas l'empêcher. Après, on va jouer End of Fate 2 et on va être dégoûté. C'est normal. Quand t'as un gameplay aussi jouissif, quoi, tu veux pas t'en empêcher. On rage quand on wipe, mais il y a un côté plaisant. Au pire, en vrai, c'est... Quand tu meurs et que c'est contre des ennemis qui sont forts, etc. Ce qui est stylé, c'est que t'es en mode, ouais, j'ai été mauvais, tu vois. C'est pas comme tout... C'est pas comme les Dark Souls où il y a des moments où tu meurs juste parce que il y a des pièges ou des trucs comme ça, où c'est pas vraiment ta faute. Parce qu'il y a des fois, il y a des trucs, faut se les prendre une fois pour savoir, tu vois. Dans ce jeu, c'est moins le cas. C'est aussi le cas, il y a des pièges, mais moins. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là! Ouf! Tu vas arrêter? Le petit shuriken du respect. Et voilà. Petit shuriken dans la gueule et tu le stun. Tu vois, plus tard, tu croises des mobs que t'as jamais vu. Ouais. Mais déjà, le gros que je viens de combattre, c'est la deuxième fois que je le croise. La première fois, c'est dans une mission secondaire. Et encore une fois maintenant, dans une mission secondaire. Et je l'avais pas encore croisé, genre dans une mission principale. Donc, c'était déjà nouveau. Salut, toi. Ce qui est marrant, c'est que tu peux juste faire ça. Hop. Et puis, c'est bon. Le petit caillou qui fait tellement le taf. Il n'y avait pas besoin de se prendre la tête, ça. Eux, ils ont le crâne bien au milieu de l'écran. Hein. Tu jettes un caillou, ils se le prennent. Ils ont pas de casque. Franchement, c'est gratuit. Alors, il n'y a pas des... Il n'y a pas des chauves-souris ici pour t'arnaquer? Non? Ok. Lui, c'est sympa s'il n'y a pas de chauves-souris. Ah, par contre, là... la dernière fois, il y avait une roue derrière les caisses. Je sais pas si là, il y en a encore une pour t'arnaquer. Yo! Le petit caillou. Ah merde, c'est vrai qu'il était en mouvement. Arrête! Laisse le petit caillou faire le taf.
Mais arrête. Oh, il veut pas. Ah, voilà. Ah merde, je vais tomber. Mais arrête. Le mec, il m'attaque. Il est pas gentil, hein. Le loot. Il a un casque. Oui, mais il a un casque sur la moitié du crâne. Ça passe des fois. Faut un peu s'acharner. Ah merde, j'ai pas eu le temps de la dissiper. Ouais. On loot un peu, même si c'est une mission secondaire. Voilà, non, c'est ici la suite. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs que j'avais raté? Ah oui, merde. Ça, c'est un pont qui se casse. Faut pas se faire avoir. Ouf! Reste calme, toi. Après, j'essaie de faire l'attaque haute, justement, pour toucher la tête, mais ça passe pas tout le temps. Voilà, là, c'est passé. Et d'ailleurs, faut pas hésiter à ne pas faire le combo au sol, tu vois. Quand ils ont plus d'endurance et qu'ils ont la petite cible rouge. Si tu fais l'attaque en cinématique où tu le transperces, tu fais beaucoup de dégâts, mais après, il regagne son endurance. Alors que si tu la fais pas, tu peux continuer à le taper. En fait, quand il a pas d'endurance, ben, il prend des hitstones et c'est gratuit. C'est gratuit. Je suis pas du tout fan de Dark Souls, mais Nioh, j'y prends plaisir. C'est vrai. C'est vrai que Dark Souls, c'est très lent. Ça peut ne pas plaire. Nioh, c'est beaucoup plus jouissif. Le gameplay est vraiment plus agréable. Salut toi. Nioh. Ah bla. Voilà. Quand tu peux faire des tranchées aussi stylées, c'est vrai que c'est trop bien. Ici un petit loot. Loot, j'ai dit. Tac 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 tac. Ah! Ok. On monte. On va faire les petits contours là, vu qu'il y a moyen de tomber. On sait pas ce qu'il y a, mais il peut y avoir des loots intéressants, je sais pas. Non, peut-être, si. Hop. On go par là. Des trucs intéressants. Non. Fais gaffe de pas tomber dans un trou quand même. Bah je crois qu'on peut continuer. Hein. Y a une échelle ici. Elle mène où? Ah d'accord, elle mène au début. Elle mène au début. Bon vas-y, on continue. Hop hop hop. C'était par où? Ok, par là. Par ici. Oh. Ah mais c'est la salle du boss ici. Normalement. C'est le boss que j'ai fait juste là tantôt. Allez, ils sont les enculés qui font. Alors on remonte là-haut vite. Pour pas prendre du poison. Oh là là, va falloir clear la zone où on a combattu le boss. Intéressant. Oh salaud. Nioh. Hop. Voilà. Bon là il lui reste plus de PV, on peut le finir. Je vais activer ça. Ah là il y en a une. Ok. Regardez s'il y en a d'autres. Tu vois ces petits caca là. Là, c'est eux qui font du. C'est eux qui font le poison dans la zone. Ah mais là je suis dans le poison. Non. Oh là là. Alors, il n'y en a qu'une ou pas? Même l'histoire est pas mal. Ah, mais au moins, il y a une histoire, en fait. C'est ça, le truc. Parce que les Dark Souls, il n'y a pas d'histoire. Hein. Dark Souls, les gens, ils croient qu'il y a une histoire, mais il n'y a pas d'histoire. Hein. Ils sont là, oui, mais en fait, lui, c'est blablabla. Bla, bla, bla. En fait, non. Si quand tu fais le jeu, tu comprends rien, même si tu lis tout, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. C'est tout. Les mecs, c'est juste du branlage de cerveau qu'ils se font, tu vois, avec leurs histoires de merde, là. Alors qu'il n'y a pas d'histoire dans leur jeu de merde. Pourtant, je le trouve pas dur ou quoi que ce soit, hein, Dark Souls, personnellement. Hein. Je m'en suis pas mal sorti dans le jeu. Mais il n'y a pas d'histoire. Faut pas se voiler la face, il n'y a pas d'histoire. L'histoire, elle est sur Internet, et donc il n'y a pas d'histoire. Il faut aller sur Internet pour avoir l'histoire d'un jeu. Blah. Mais barrez-vous.
Ah, ici, on a un autre. Laisse-moi tranquille. C'est bon. Le caillou. C'est bon. Tout est sous contrôle. Et tu vois, il prend des petits coups, il se fait stun hit. Jusqu'à ce qu'il construise une zone yokai. Une fois qu'il a construit une zone yokai, il reprend son endurance. Mais après, voilà, il n'y a plus de PV. Hop. Caillou. Ah merde. Par contre, le caillou, il prend 2 heures à jeter un caillou. Là, on vient de voir un whiff punish du caillou. Assez beau. On va reprendre des PV, c'est gratuit. C'est bon. On a tout fait. Je crois. Nyo. 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 Ah d'accord. Voilà. J'aime beaucoup l'attaque Hiyai. J'aime beaucoup. Mais c'était quoi l'objectif? Le magatama de feu. Trouver le magatama de Kagatsushi. D'accord. Faut trouver une arme quelque part. Très bien. Itono. Ah! Un mob. On va d'abord se faire celui-là. Non! Ok, j'ai gardé. Non, c'est bon. Oui. Ok, d'accord. Le petit dos. Soi! Voilà. Soi! J'adore ce jeu. C'est trop cool de pouvoir faire ça. Alors ici il y a un mob. Ici il y en a encore 2 qui sont vivants. Bah tombe. Le mec il me bloque quoi. Avec son cadavre vivant. On va aller combattre le mec en haut. Tac. Comment ça à pas le mettre habitué au gameplay. Le caillou. Et voilà. On va passer au double katana comme ça. Ah merde. Je me suis trompé complètement de touche et je me suis pris un coup du coup. Mais what? Comment il m'a touché alors que je suis sur son flanc? Alors par contre là, autant des fois les hitbox elles sont parfaites. Là personnellement je me voyais pas être touché. Hein. Après c'est peut-être moi, je sais pas. Désolé si c'était moi. Hein. Ouais. Oh un katana! Tetsu Senjui. Senjuin. Je sais pas. Est-ce qu'il est mieux? Il a l'air mieux. Juste qu'il faut lui monter. Mais en fait, ça, je comprends pas. Je sais pas si toi, Dr. Traplan, tu joues au jeu. Le premier boss que tu as fait dans le bateau, tu as wipe le bateau. Ah, j'ai pas encore fait de boss dans le bateau. Peut-être c'est la mission d'après. Pourquoi ici c'est 2 katanas mais ils ont un symbole différent? Celui dont j'ai équipé, à côté de l'attaque à gauche, le symbole c'est une épée qui pointe vers en haut à gauche. Et là c'est une épée qui pointe vers en bas à gauche. Et je sais pas ce qu'est la différence. Pour moi c'est tous les deux des katanas. Je comprends pas. C'est quoi la différence avec ça? C'est la même chose. Ah non. Mais c'est... pas du tout la même chose. Pourtant dans l'arbre de compétences il n'y a que katana.
Je vois pas le... C'est pas un sabre et un katana, plutôt. Bah d'accord, mais il n'y a pas sabre genre dans les items, tu vois. Donc pour moi, ça, il rentre dans la catégorie katana malgré tout, j'imagine. Est-ce que je peux faire ça? Oui, du coup c'est un katana pour le jeu. Mais il a des moussettes différents. En place, c'est 3 coups. En posture haute. Et si je prends celui-là? Non, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes, mais ils ont un symbole différent. Et je réussis pas à comprendre en quoi c'est différent. Ouais, je sais pas. Aucune idée. Bon, est-ce qu'il est mieux déjà de base ou pas? On va remettre les doubles katanas déjà. Et ceux-là. Je sais pas en quoi il est... Ouais, je les compare, ouais, je sais pas. Bon, je vais garder celui que j'ai pour le moment parce que c'est, il me donne un bonus de 7. Mais c'est juste là, ils sont courbés de manière différente, c'est juste ça. Comme t'as dit, ils sont courbés de manière différente. Je m'en suis pas aperçu de ça. Bah, je sais pas, moi ça me trouble. Je me dis, il y a une différence. Sinon, pourquoi ils auraient fait un autre symbole? Alors que c'est exactement les mêmes sets de coups d'armes et tout. Je sais pas, ça me troublait. Je me suis dit, peut-être tu savais, tant pis. Allez, on continue. Ok. Je vais juste reculer parce que derrière moi il y a un trou et je pourrais tomber dedans. Voilà, ici on peut combattre. Allô? Tombe dans le trou! J'ai l'impression que je devrais me healer. Ouais, voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il fait assez de dégâts pour me one shot. Ah d'accord. Il est pas du tout. Oh! Arrête! Ok d'accord, je pensais qu'il allait donner 2-3 coups mais il s'est énervé. Reste calme. Reste calme, on te dit. Bla! Je suis mort. J'ai mis la garde, mais elle est pas partie. Je sais pas pourquoi. T'avais tué des nouveaux boss depuis le changement de région? Bah, j'ai fait un boss dans cette zone là. J'ai fait un boss juste ici. Et Je l'ai first try. En fait, j'ai first try toute la zone. Bon, là, c'est dommage, je suis mort, donc vous en rendez pas compte. Mais mourir contre eux alors que je connais le pattern, c'est dommage. C'est dommage. Mais je m'attendais pas au coup de langue d'ailleurs. Mais pourtant j'ai mis la garde. Hein. Bon tant pis. J'avais mis la garde. Est-ce que je dois refaire le poison ou est-ce que le poison est déjà parti? Ici en fait il y avait un boss, c'était un boss 1000 pattes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'était Tu vois les petits trucs qui font du poison? Et ben il y en avait plein qui étaient mis les uns au bout des autres et qui faisaient un long 1000 pattes. Et c'était lui le boss. Et ça s'était bien passé. Fallait juste faire attention au poison dans la zone. Une fois que t'as fait gaffe au poison, le boss était assez simple. Bah je l'ai first try d'ailleurs. Il est facile le 1000 pattes. Ouais le 1000 pattes il m'a un peu stressé au début. J'étais en mode attends, il doit y avoir un truc, je sais pas. Mais en fait non. En fait c'est pas des trous ça. D'accord. Moi je croyais que c'était des trous et que je pouvais tomber dedans. C'est même pas des trous. Salut toi. Oh le pauvre. Alors par contre, barrez-vous. Mais... Bla. Ils aiment bien les cailloux. Eux, ils sont tellement chiants. Très bien. Faut aller où? Ah oui, c'est vrai. Lui va me tirer dessus, c'est ça? Ah non, juste au-dessus de sa tête. C'est bon. Poilà.
Point, 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 point. Voilà, voilà. Tu viens ou pas? Bla. Non, laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi passer. Ah, c'était fini? D'accord. Oh, dommage que je sois mort sur lui du coup. Bref, c'est pas grave. Mais il y avait rien derrière? D'accord. Et j'ai loot l'épée sur lui en fait. Je m'en rends pas compte. Ou alors ça doit être un truc de quête. D'accord. Bon bah c'est fini. Mission terminée. T'as essayé Cheat Engine pour la mission du crépuscule. Et pour moi tu pourrais augmenter un rien la playlist en fond sonore. Ah d'accord. Le son est un peu bas, merci de me l'avoir dit. D'accord. C'est cool. Mais elle couvre pas trop ma voix, ni les bruitages du jeu. Si c'est le cas, c'est bon. Parfait. Cheat Engine, j'ai pas eu besoin, j'ai fait une mission crépuscule, je vais te montrer, je l'ai fait tantôt, c'est celle-là. Et franchement, j'ai regretté. Hein. Parce que là, par rapport à mon niveau, une mission niveau 20, c'était ridicule, je me suis juste fait chier, il y a eu aucun loot intéressant. Franchement, perte de temps. Peut-être celle-là, elle se débloquera plus tard, je sais pas. Je sais pas. Bon, je vais mettre une mission, une musique plus calme vu qu'on a fini, la mission. Bah du coup cette musique aussi elle sera basse.